Comment parler du jardinage en libanais? Si seulement vous saviez à quel point j'ai travaillé pour cette vidéo. Parce que je sais que c'est une activité que vous êtes nombreux à apprécier, mais moi, j'y connais rien. Alors, un grand merci à Tante Maï, Ramolies et Isabelle. Grâce à vos connaissances, dans quelques instants, on va devenir expert en jardinage, surtout la manière d'en parler en libanais. Allez les amis, on y va! راح خبركم عن المراحل تنزرع بندورة لوبيا أو خيار. Dans cette phrase, on va mettre en lumière le verbe ezra zara qui veut dire en fait planter quelque chose. D'ailleurs, on a le mot zaria qui veut dire d'une manière générale une plante. Khiyar, les concombres, banadura les tomates, لوبيا les haricots verts. أول شيء ننكش الأرض بشوكة. بعدين لازم الأرض تتلم يعني نعمل تلم بمجرفة. Un focus sur le verbe unkosh nakash qui va nous servir pour exprimer le fait qu'on retourne la terre, qu'on laboure. Vient ensuite l'un de nos premiers ustensiles, shauke. Oui, vous allez me dire, mais moi je connais le mot shauke. Shauke, il y a une fourchette. Effectivement, dans les ustensiles de cuisine shauke, c'est-à-dire une fourchette, et dans les ustensiles de jardinage, de par le fait que c'est une même forme avec les trois dents, on fait référence, pour être précis, à la fourche bêche. Si vous avez été attentif, vous avez peut-être remarqué que j'ai utilisé le verbe ettallam, ettallam. Et le sujet de ma phrase, c'était l'ard, c'est-à-dire le sol. Quand on dit lezem l'ard ettallam, c'est-à-dire que lezem namul tellam. Tellam, c'est un sillon. Nous devons faire un sillon. Et pareil, si vous avez été attentif, vous avez peut-être entendu le nom de l'outil dont je me sers pour créer, pour creuser mon sillon, ça s'appelle majerfe. En français, le buteur rayonneur. Baden nus et telum, ou tenenhar nizra al bezret. Mishenhek nistam el mankush, tanahfor tnen sante, ou neder en shik el bezret, men shik bezerten au tlete, kel shebren. Pas mal de vocabulaire dans cet extrait, les amis. On va commencer par le verbe sa'a. C'est le verbe, en fait, arroser, tout simplement. Arroser le sillon, arroser les plantes. Bezret, c'est le pluriel de bezret. Bezret, une graine. Bezret, des graines. Ensuite, je parle d'un outil, l'mankouche. L'mankouche, en français, c'est la serfouette. Et je m'en sers, en fait, avec le verbe ohfor, qui veut dire tout simplement creuser. Ohfor, hafor. Vous m'avez entendu ensuite dire « men shik bezerten », le verbe « shik »,« shak ». C'est un verbe couteau suisse. Il veut dire « piquer », il veut dire « plonger dans l'eau », mais ici, ça veut dire « enfoncer », planter dans le sens « enfoncer la graine dans le sol ». Et enfin, « kel shebren ». Shebren, c'est le duel de « sheber ». J'ai eu beaucoup de mal et je remercie Isabelle pour ses nombreuses traductions, pour essayer de comprendre ce que c'était exactement que le shebel. C'est une unité de mesure et ça représente en fait l'empan, c'est-à-dire la distance maximale entre l'extrémité du pouce et l'extrémité de l'auriculaire. Donc quand je dis shebren, c'est deux fois cette distance. À ce stade, les amis, j'en profite pour faire une petite pause afin de souhaiter la bienvenue aux arrivants. Ahla ou sahla, bienvenue à vous à deux pas du Liban. C'est une école de Libanais. J'ai pour vocation de vous transmettre le Libanais parlé pour tenir des conversations de tous les jours. Mais maintenant, je rajoute aussi le Libanais écrit en alphabet latin, car c'est comme ça effectivement que je le présente. Moi en cours, je vous invite à juste le parler. Mais comme je sais que derrière mon dos, vous chattez entre vous entre Libanais, alors oui, oui, vous pouvez également l'écrire en alphabet latin. Pour vous inscrire, rien de plus simple, soit vous allez sur le site internet adepasduliban.com, soit vous m'écrivez sur adepasduliban@gmail.com pour qu'on puisse fixer un rendez-vous pour un cours d'essai gratuit, bien sûr, pour faire connaissance et voir le meilleur moyen de progresser ensemble en libanais. Ou est-il bezret yfarcho ou togbar châtelet ma'oul et teflouch. Le verbe farrech farrach veut dire pousser dans le sens végétal, éclore. Châtelet, c'est tout simplement un plant. Et enfin, euflosh falash, c'est un verbe qui veut dire
étalée. Alors ici, vous imaginez les feuilles qui s'étalent. Donc la meilleure traduction qu'on peut lui donner en langage de jardinage, c'est s'épanouir, tout simplement. مشان هيك نستعمل أصبة تنربطها وفينا كمان بعدين نرش دواء. أصبة, c'est une baguette. Et ici, bien sûr, on désigne, vous l'avez, je pense, deviné, le tuteur. Le verbe urbot rabat veut dire attacher. Et enfin, le verbe rush veut dire asperger. Et dawa, vous le connaissez bien, dawa est un mot absolument couteau suisse qui fait référence à tout produit qui traite. Ça peut être pour se traiter soi-même, donc un médicament, pour traiter sa maison, des produits ménagers, et là dans le jardinage, tout genre de produits traitant le végétal. J'espère les amis que cette vidéo vous a appris de nouveaux mots et de nouvelles expressions. Il y a encore tellement de choses à dire sur le jardinage. Si vous voulez approfondir cette thématique ou tout simplement approfondir votre libanais, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous inscrire en cours avec moi. Peut-être que vous avez envie que j'aborde d'autres thématiques. Les commentaires de la vidéo juste en dessous sont votre espace. Exprimez-vous, dites-moi, voilà, j'ai envie qu'on parle de ça, qu'on parle de ça, qu'on parle de ça. Je regarde vos suggestions avec beaucoup de soin. En plus de l'apprentissage du Libanais, À deux pas du Liban aime mettre en avant la jolie culture de notre petit pays, surtout sous son aspect francophone. Au-delà de la langue, on aborde la thématique de la cuisine, des films, des séries, des personnages, des chanteurs, des acteurs. Toutes les vidéos ont été classées dans des playlists auxquelles vous pouvez accéder via la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à poursuivre votre visionnage en notre compagnie. Moi, je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo. Tobo ahal konektir. Prenez bien soin de vous. Bye bye, ya halouine.